Salut à toutes et tous, bienvenue à bord de mon Himalayan. Je débute cette journée sur le port de Nice en faisant ensuite un petit tour sur le chemin du littoral histoire de se mettre en jambes avant de rejoindre le village de Falicon qui est situé seulement à 8 km d'ici, hein, 8 km du port. À Falicon, dans ce petit village, je vais vous faire découvrir une vraie curiosité, la pyramide de Falicon. C'est la porte d'entrée d'une grotte, la grotte de Rata Pignata. Et ensuite, si je suis encore un peu courageux, nous irons jusqu'au sommet du Mont Chauve découvrir le fort d'Apremont. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée moto et marche à pied. Alors nous voilà sur le GR5 en direction de la pyramide de Falicon. On voit parfaitement les marquages rouge et blanc du GR. Donc là j'ai abandonné la moto et un peu de marche à pied. Ça fait jamais de mal, c'est toujours très bon. Bon, je suis quasiment arrivé là. Ah bah je suis pas quasiment arrivé, je suis arrivé. Et voici la pyramide. Bon, elle est plus complète, hein, évidemment. Hein. Il en manque une grosse partie. Mais c'est bien une pyramide et l'entrée de la grotte. Allez, on va aller voir ça. Voilà, ils ont installé une échelle. Alors je dis ils ont, mais je sais pas qui, mais peut-être la... la mairie ou une association, en tout cas c'est vraiment bien, c'est sympa et en plus c'est sécurisé. Alors évidemment je vais descendre, je suis tout seul, bon j'ai un sifflet hein, au cas où, mais je vais être très prudent parce que c'est très glissant quand même. Donc il n'est pas question de tomber. La grotte de Rata Pignata. Alors Rata Pignata ça veut dire chauve-souris en niçois. Et cette grotte a été découverte par monsieur Domenico Rossetti en 1803. Et nombreux pensent que cette pyramide a été bâtie pour marquer l'entrée de la grotte, tout simplement. Certains prétendent que c'est un ouvrage gallo-romain. Et ça, ce serait très étonnant. Moi, bon, je regrette pas du tout d'être venu ici. Vraiment une vraie curiosité, je connaissais pas. Bon, ben voilà, c'est bien de découvrir. Voilà. Impressionnant. Allez, la lumière. On y va. Allez. Dernier échelon. Hop. Et retour à la lumière. Thank you.
Voilà, la pyramide de Falicon, c'est fait, c'est coché. Je vais monter vite fait au fort d'Aspremont, mais la lumière est en train de changer et ça va pas être terrible. Enfin bon, moi, je vais quand même monter. Une trentaine de minutes de marche, ça monte, hein. Eh bien, me voici au fort d'Aspremont. Là, j'ai l'impression de faire une vidéo urbex. Là, je sors de mon champ de compétences. Énorme. Je continue ma visite urbex entre guillemets. Bon, je laisse ça à des spécialistes. Mais il y a un côté quand même, je l'avoue, ludique de se retrouver comme ça dans un ancien fort. C'est sur ce dernier plan que je vous quitte. Encore merci pour votre fidélité. À très bientôt avec de nouvelles images dans de nouveaux décors. Allez, salut et à bientôt. Ciao.